Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Mauritanie émettant de Nouakchott. Comme tous les mercredis, voici votre émission. Cette émission qui sera essentiellement basée sur de la musique mauritanienne. The occasional travellers who venture to Nouakchott, the capital of the Islamic Republic of Mauritania, rarely stay for long. At first sight, it's not a city for lovers of the exotic. Neither wholly African nor completely Arabic, Nouakchott is constantly growing. Most of its population are former nomads. Architecturally, it's a collection of hastily constructed cement block houses. But for the residents of this capital, which emerged from the desert sands barely 35 years ago, Nouakchott is unique. To get a sense of the very special charm of the city, you have to cross the threshold of the houses and enter the parlours. This is where everything happens. Contrary to the customs of many Arabic countries, men and women here are able to get together in relative freedom. Like many other residents of Nouakchott, Hassan is an urban nomad. He spends a good part of his time drifting between parlors, a player in the great game of seduction played by many of the capital's inhabitants. As a student and a bachelor, he leads the carefree life of young Moors from good families. Hassan belongs to the Marabout caste, traditional scholars who possess great knowledge of both Arabic poetry and the Quran. Moorish society is very hierarchical. At the top are the marabouts and warriors, both noble castes but rivals. Even though he knows people from all walks of life, Hassan prefers the company of young women from his own caste, such as Farida and her friends. All Moorish women wear veils, the designs and colours varying according to fashion. The women who dye the cloth compete to come up with the most imaginative designs, each of which is given a name. Like many Mauritanian women, Jamila sells veils, often visiting her friends' homes to do so. Ça c'est les coutumes en Mauritanie. Parce que les hommes sont toujours galants, sont toujours très généreux avec les femmes. Même si c'est pas, même s'ils connaissent pas la femme, si elle demande, ils peuvent acheter. Ça c'est les coutumes mauritaniennes. In traditional nomadic Mauritanian society, the tent belongs to the woman.
In the case of divorce or estrangement, she can take her property with her, leaving a homeless husband behind. But while the tents are women's places, they are not off-limits to men. In Nouakchott, women now spend a good part of their time talking in the parlours, just as they used to in the tents. Men stop by for visits that may last an hour or 5 minutes. La femme arabe est plus obéissante que les Maures, parce que les Maures se sent un peu plus libre avec les, en général avec leur mari, et elle les respecte beaucoup, mais elle a son avis, elle est libre de faire aussi ce qu'elle veut, elle a son rôle. Elle n'est pas comme les autres femmes, elle a sa personnalité. Elle n'est pas comme les autres femmes arabes ou les autres femmes musulmanes. Il y en a des gens qui disent qu'elles sont des choses, si tu veux. Hein? Ce sont des choses, mais la femme mauricienne n'est pas comme ça. Pour une femme mauritanienne moderne, une Nouakchottoise d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle apprécie chez un homme? Ça dépend. Ça peut être des petits yeux mignons, ça peut être surtout la générosité. La voiture et la générosité. La voiture. Souvent, les jeunes modernes et tout, elles n'aiment pas les hommes trop sapés, trop modes, trop basants et tout. On préfère les hommes cool qui ne font pas attention. C'est vrai. Ça m'énerve les gens avec des boubous. Il y a beaucoup de gommes qui sont comme un parachute qui va s'envoler. Ça m'énerve, j'aime pas tellement. Mais je regarde pas en premier le boubou, je regarde la personne elle-même. Et ça dépend surtout du caractère. Quand il est gentil, il est généreux, il est adorable. ملايين ملايين حبيبي باللي يحبوا يسوى الملايين. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, eh bien, je vais vous l'expliquer. Elle dit que même si on lui proposait des millions, même si on lui proposait des étages en or, elle ne laissera pas l'amour de son bien-aimé. Il a de la chance, celui-là, en tout cas, il a une femme qui l'aime. Moi, personnellement, pour de l'or, hein, je ne sais pas ce que je ferai. It's not unusual in Nouakchott for women to tell their friends fortunes. Some especially gifted women have made a profession out of it by offering home consultations. Hassan escorts his friend Mamma to see the celebrated fortune teller Zenabou. Before beginning her soothsaying, Zenabou asks Mama to blow her question into the sand. People in Nouakchott are always adapting their nomadic customs to the restrictions of urban life. In the desert, you only have to step out of the tent to read the future in the sand. In Nouakchott, rather than going to one of the many dunes surrounding the city, a bit of domestic desert is created out of sand sifted from the courtyard. Mm-hmm.
شفتي زوجك في الحكم اللي راه ما في قاع لازم يا عقب تتزوجي في الحكم متعارفين شوي يقال ما تعرفي عنه هو زوجك لازم بعد هي تعودي في الدار اللي فيها تليفون واحد الخارج واحد الدار قولي لي انا التليفون والله لو ما تقدر تنتبهي تبارك الله ان شاء الله ايوه لا تقولي اللي انت قلت تكملي لنا شو على بها ما انت ان شاء الله اليوم على غير صحيح لا تخاف ايوه ودعناهم يعني صار يدوم يلا نخسر قبل ما قالت لك يا اخوي قالت لك انك عقدك في شيء حمار لا تهني في نفسك والله انا بعقدت لك شرب الطيران ما يخسرش قال اعطيكني الشرب الطيران ما تخسرش هاكي بعد يا خطي ما تقبلتي من دفع حمار حق بعد تعود بعد هي اللي عندي تقبلي شرب الطيران والله هي قاع زوين طلع لك شيء قاع من قبلتي ايوا قالت لك قالت لك اخبار الراجل قالت لي اختي من واحد اخر ما عارف ما يظهرش ولا بعد شك مو بعرف ما بتي أنا هي قالت لك متعدل وش؟ قالت عنه متعدل معلوم. أنا متعدل معلوم ما شو خلاص. صدق ما خسرت. قلت لي اللي أنت أقسم بام القط. ليش بعد قالت لي عنه زين علي؟ شو قلت؟ بوا أنا لو كنت قزان أقول لك إنه زين علي لكن أنا في هالقزان. أنا بعد القزان ويفكروني. مش أنا راضي. بوا أنا رواية ما هي أنا بعد أخوذ اللي فخر ياقي كامل بتخممت فيه كامل كده تقول له طاس على كل حال ملحفة بعد حمرة وراجل متعدل قاعدتك عجيب من هذا تبقي النهاية بخارك وجدي سوار قلت عن دوام اليوم الخميس التحميس عن عندي فيه حظ ويوم 14 كل يوم كثرت مالي كل يوم كثرت دورة سلم عليك Hassan is passionate about poetry and carries on the desert tradition of courtly love. Men would compose poems for the women of their dreams. And when two rivals met at the tent of their lady love, they would throw themselves into a poetic jousting match. In the city, poetry is not so pervasive, but whenever they can, Nouakchott residents meet in a parlor or in a tent on the outskirts of the city to recite their latest creations.
وين محبوس لكلك موا اما بريزير دي اتوا ولا قولي لكل الوا انت برمي تحبسيني وانا يا اخي سي جوا ضوع ويناتك يكفيني من تدري فيش اكسبت توا مضرك لين اللين فيني وعارفي عنك كلك سوا اكس اقرا قراه تسيني بانك تي افيولي للوا وانك يا وين ظلمتيني قالت له Si j'avais chez une famille que je ne connais pas avant, parfois je fais l'attention. Tu sais, on attend beaucoup qu'il y a certaines filles qui font des gris-gris dans des thés pour attirer des hommes. Mes copains m'ont dit ça comme ça. Pour moi, toujours, je fais l'attention si je suis hors de la maison. Donc on raconte que des filles font des gris-gris pour attirer les garçons, mais est-ce que les garçons font des gris-gris pour attirer les filles? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu ça. Tu sais, le gris-gris pour attirer les filles, c'est un autre gris-gris. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est un autre gris-gris. Comment ça, il faut préciser? La matière, ou les l'argent. Titres, ou l'argent, ou bon, les études, ou des choses comme ça. Être célèbre, tout. Dans la vie sociale, être connu et crédible dans la société, c'est le gris-gris de l'homme. In theory, Hassan still lives at home with his parents, but he sleeps at his friends' houses more often than not. In Nouakchott, bachelors usually don't have a fixed abode. At nightfall, after they've finished studying, working, or visiting parlors, they get together at a friend's place to drink tea, play cards, and talk about girls. ترى هي دم بابري ترى ما تنجبر في المئات أوصل لا واحدة أدخلت هاي قاعد تخلق مرمعة صعبتها قلت ايش ادخل ذوق انا اعرفها هي لعبين شو قلت انت انا ايش هذا يعني يغني اهرب واحد ترى قواش انت يغني توني لا توزن بيه كان حيث بيه خلو خوشو راجلي أكمل. واحد راجل كان هو أنا في الخارج ما شاء الله بني منك العافية أنا هنا رقد رقد شان الله Nouakchott is very spread out and public transport is overcrowded. Out of respect for the traditional rules of gallantry, men with cars will often take women wherever they want to go. Hassan, who has borrowed a Peugeot 504, has to abide by this unwritten law and take his female friends to the beach. Je peux avoir des copines de toutes les classes, des différentes classes sociales, même pour le mariage. Bon, il faut avoir une copine de même classe. De même classe. Ce que les parents veulent, la mère, elle veut que je prenne une cousine. Mais pour moi, celle est de la même classe, ça me suffit.
même si c'est une fille d'une tribu guerrière. Non, la même classe, j'ai dit. Donc, la même marabou. Classe sociale. Marabout. Bon, guerrière, bon, c'est difficile. Dans ce temps, je ne sais pas, peut-être dans l'avenir, je peux changer, mais pas encore. After the beach, the girls go to the Dallas Beauty Salon to get their hair done or just to drink tea and chat in an all-female environment. These young women come from different classes of Mauritanian society. Some are nobles, others belong to the griot and blacksmith castes. The blacksmiths are usually jewelry makers, while the griots are singers and musicians. All of the castes are hereditary, so the son of a marabout will be a marabout, and the daughter of a griot is supposed to be musical. Marabouts and warriors consider themselves superior to blacksmiths and griots, and they in turn are ranked above the haratins or former slaves. In the desert camps, women of the griot and blacksmith castes are the attendants of the noble women. Today, in Nouakchott, relations between the castes are changing only very slowly, and the seemingly easy relationship between young noble women and women of the blacksmith and griot classes remains highly ritualized. Of course, marriage between the castes is strongly discouraged. Normalement, les premiers mariages pour les filles, c'est les parents qui font ça, qui obligent la fille qui s'est mariée avec quelqu'un la première fois. C'est vraiment obligé chez nous, les Mauritaniens. Par exemple, moi, j'ai été mariée avec mon cousin, bien sûr. Et puis, c'est mon père qui m'a obligée de se marier avec lui. J'avais 14 ans, je me suis mariée, mais on n'était pas du tout d'accord parce que lui, il ne me connaît pas avant et moi non plus. On ne s'aimait pas. On a resté 3 ans. Après, je suis divorcée et puis j'ai resté toujours chez mes parents jusqu'à présent. J'ai recommencé encore à faire mes études et tout ça. Et c'était très bien. Je préfère vraiment sans être mariée. Par exemple, que si je me marie avec un forgeron, mon père, s'il n'arrive pas à me faire quelque chose, il va vraiment faire n'importe quoi pour que les mecs, ils travaillent plus, ils bossent plus, quoi. Qu'il n'existe plus pour les autres, mais où il va lui créer des problèmes pour lui mettre en prison et pour lui faire. وين ولوده؟ اطرحي لوده عبد الحليم.
طرحيه قدام في الحياة، عود وراء عمي طرحيه في الحياة. Nostalgia for the desert led some of the capital's residents to put up a tent on their terrace or in their courtyard. Aziza lives in a fashionable area. Noble and rich, she's a lady who likes to entertain her friends in style. A griot comes to sing all afternoon for Aziza's guests. Out of respect for the rules of modesty, a woman of the Marabout caste is not supposed to express intimate feelings in public. However, like many Moorish women, Aziza writes short love poems composed of a single verse called Tebra. To get around the rules, she whispers her poems into the griot's ear, who then sings them aloud. The Tebra can express nostalgia or love for a man, sometimes symbolized by a particular place or thing. Hassan and his friends were invited by Aziza, but they arrive only after the Tebra have been recited. These love poems are spoken only among women, and it's easy to guess which men they were written about. If a woman wants to let a man know of her tender feelings, she can send one of her close friends to recite the Tebras that she has composed for him. He, in turn, can easily guess who the message comes from, but the lady's honor will be safe. She won't have expressed her feelings in public.
In the city, standards of modesty are not as strict as they once were, and some women are willing to recite Tebra in public. As part of his studies, Hassan collects these love poems. حول نساء الموريتانيات تشوقهم بأصدقائهم في الغربة وفي الوجود. وقلت لك ما خلقش من التبرع الحديث عود فيه شي يدل على أنه حديث الحياة العصرية تعرف منش؟ نعرف نقول وفيه من إبليس اللي صار جدا سديس وانا مسقومه من تنكلير الحكومه انت مزاوله تفاصلي والله الاسخا اين عيا سوي قبل عرام اين عيا سوي قبل Je ne crois pas qu'il y a un amour propre pratiqué dans la vie. Il y a dans les livres, dans les histoires, dans les romans, c'est difficile de pratiquer dans la vie. Ou peut-être, les gens sont occupés des choses, sont plus importants que l'amour, la vie. Matière, chose pour manger, pour boire, pour rester dans la vie, chose plus importante que l'amour particulier. Bon, sinon, peut-être, si tous les gens avoir les moyens, peut-être ils vont faire un amour propre, comme on dit dans les livres. Relation sexuelle avant de se marier, c'est rare. Si c'est rare, c'est pas bon, c'est pas tout le temps. C'est pas toutes les filles et c'est pas tous les garçons encore. Ça arrive qu'ils soient ensemble dans la rue, ça arrive qu'ils ont des relations d'amour. Qu'on l'appelle des relations d'amour, et il pense à marier avec la fille, elle pense comme ça, et ça c'est qu'arrive. Peut-être il va changer, demain ou après demain il va chercher une autre, il va la laisser, ou elle peut-être elle va prendre un autre, mais c'est ça, tout ce qui arrive c'est comme ça. Lala, a friend of Hassan's, wants to get made up to attend a wedding. Always the gentleman, Hassan accompanies her to the henna salon. These salons are something new. In the past, henna was applied at home. In the last 10 years, women of the blacksmith caste have invented a new method using adhesive tape. Thanks to this new technique, it's now possible to produce much finer designs. تفترت وهيقعد هنا ما في حد
It will take 6 to 8 hours to decorate Lala's hands and feet. Hassan, who doesn't feel comfortable in this women's salon, has plenty of time to keep a date with one of his lady loves. Not so long ago in the Moorish camps, a man in love would be overwhelmed with emotion if he managed to get hold of a piece of his loved one's veil. Today, things have changed somewhat, and Hassan can savor a few intimate moments with his girlfriend. In Nouakchott, there are no bars or nightclubs, and alcohol is strictly forbidden. However, there is no lack of entertainment. Weddings in particular are numerous and provide an excellent occasion for men and women to meet. Ouleya, one of the country's most famous singers, has had 15 tents set up for her brother's wedding. It's one of the biggest parties Nouakchott has seen for a long time. All major ceremonies have entertainment provided by griots. And when two griots get married, the musicians excel themselves. The entertainers for this party are part of a new wave of highly amplified Moorish music. The bride and groom are easy to recognize. She is in black, her face hidden by a veil, and he protects her from the crowd. يبدأ بمشاركة الفنانة تقريبا من الميتاح يقول شوي تمشي بهذه العجلات The husband's family has invited members of Nouakchott's jet set, who have an interest in being generous. This is because in traditional society, and here in modern Nouakchott, griots sing the praises of their benefactors, but run down the reputations of those who aren't lavish enough. Oh,
In Mauritania, people prefer to send tapes rather than letters. These modern missives often avoid the traditional postal routes. Hassan goes to Fatimatu's house to deliver a cassette sent by one of her friends living in Portugal. Fatimatu has been divorced twice, and each of her marriages went against the rules. Both times, she married out of her own tribe. Her first husband was half Soninke, a black ethnic group from the south, and her second was Moroccan. Now, Fatimatu lives alone with her three children in a working-class neighborhood. But, like many divorcees, she's far from isolated, and her many friends meet frequently at her house. Divorce is widespread in Mauritania. According to Islamic law, a husband has the right to repudiate his wife when he wishes, and men use and abuse this privilege. But women can also make themselves unbearable when they want to be repudiated. It's not unusual to meet Moorish women who have been married five or six times. Many women complain about the precariousness of marriage. But divorce isn't always a traumatic experience. In Moorish tradition, the more husbands a woman has had, the more valuable and desirable she becomes. Her popularity also depends on the reputations of her various husbands. We are habitués les femmes mauritaniennes sont habitués à être abandonnées par leur mari et ils trouvent un autre à leur place. Pas comme les autres femmes arabes, la plupart des arabes, quand la femme est divorcée avec des enfants, elle ne se marie jamais avec un autre. Il faut qu'elle reste toute seule dans sa vie avec ses enfants. Mais la femme mauritanienne, il y en a qui, dès que le mari divorce sa femme, il y aura un autre. Des fois même, il est divorcé parce que il veut être avec une autre femme, il trouve un autre bonhomme, il reste avec lui. Fatimatu and her son make regular visits to her ex-husband Malayanin. The two of them have kept up a good relationship. In other Arabic countries, or in Black Africa, Malayanin could have taken a second wife instead of divorcing Fatimatu. But most Moorish women reject polygamy. No one before and no one after, as they say when they get married, to show they don't want to have a co-wife imposed on them. Polygamy is common among the blacks of southern Mauritania, but this doesn't suit all women. For example, this friend of Malayanin. D'accepter que Kumba reste avec toi. Non, toi, tu es vieux, moi, je cherche un jeune, hein. Arrête. Je cherche un jeune, tu es vieux, hein.
Tu vois, tu as des cheveux blancs partout. C'est ça qui est beau. Donc, non, non, non. Moi, je vais chercher un jeune de 18 ans. 18 ans. La polygamie n'est pas agréable. Ça se donne. Hein. Mais vaut mieux la polygamie de laisser des enfants abandonnés ou une femme abandonnée. Les enfants ne sentent pas l'amour de leur père. Ou si la maman, comme je vous ai déjà dit, donne des enfants à leur père, ils ne vont pas sentir l'amour de leur mère. Donc, je voyais que la polygamie est mieux que le divorce. Ici, en Mauritanie, il y a des témoignages selon lesquels une femme peut avoir un enfant de son mari très longtemps après qu'il ne se soit vu. Est-ce que c'est fréquent ici? Ce genre de choses est fréquent et souvent ça produit ici. On voyait des femmes après 2 ans de divorce, 3 ans de divorce, 4 ans, elles trouvent un enfant, elles disent qu'il était couché dans sa ventre, qu'elle avait des problèmes, elle a besoin de telle chose qu'elle n'a pas trouvé. Et de là, l'enfant, elle n'a pas sorti. Et souvent, le père même aussi reconnaît l'enfant, il vient, il fait le baptême, il le reconnaît, donc il devient son enfant. Moi, je connais une femme depuis 69, il est enceinte jusqu'à nos jours. Il est devenu vieil et il est avec son avec un gros ventre, n'a jamais eu ses règles. Et elle-même, elle sent parfois que l'enfant bouge dans sa ventre. Donc, depuis 69, je dis bien, jusqu'à nos jours. Pour les Mauritaniens, c'est une chose qui se passe souvent. Bon, pas de problème quand une femme accouche et tout ça. Mais pour les étrangers, ils disent que c'est pas scientifique. Do my house and home.
بلا